Bonjour Emery. Bonjour Frédéric. Voilà, ici au château de Condé, Condé-en-Brie. Racontez justement l'origine de ce château que je trouve personnellement très joli. Alors, c'est une origine très ancienne. Depuis l'époque romaine, c'est un lieu habité. Donc, c'est toujours un lieu vivant qu'on habite aujourd'hui. Et les périodes les plus importantes, c'est d'une part celle où Louis de Bourbon va prendre ici le premier, le titre de prince de Condé. Le dernier prince de Savoie, c'est le prince de Venise, qui descend directement des princes qui possédaient le château et la principauté au XVIIe siècle. Et ces princes commencent à inviter ici grands artistes de l'époque, dont alors, la famille de Savoie, fin XVIIe, début XVIIIe, invite même Antoine Watteau, par exemple, ici. Et Antoine Watteau peint directement sur les murs ici, si bien que toutes ces peintures sont des peintures murales, elles sont restées dans le château. Mon ami et moi allons vous présenter quelques vers de Mithridate de Monsieur Racine. Au ciel, Farnace, à quand ange moi-même, ce n'est donc pas assez que ce funeste jour à tout ce que j'aimais m'arrache sans retour. Bon, c'est Richelieu qui s'invite à Condé. Et Richelieu, lui, avait besoin d'être un petit peu en retrait de la cour, un peu au calme, si bien qu'il vient chez le cousin du roi, ici à Condé, pour être au calme, travailler, se reposer, d'où sa chambre que vous avez vue.